le président de GPS, son excellence Monsieur Guillaume Kibafori Soro, attend beaucoup de nous, et vous le savez. Notre présence à ses côtés doit se justifier par la plus-value que nous ajoutons à son combat pour les libertés, la justice, la démocratie, la paix, le pardon et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il nous faut constamment avoir à l'esprit que nous avons le devoir de matérialiser sur le terrain la vision de notre leader. Chers membres, chers militants, continuons d'aller à la rencontre des militants dans l'optique d'élargir nos bases. Inscrivons-nous dans l'éveil stratégique en maintenant allumée la flamme militante, gage de nos succès et de nos victoires à venir. Un soldat, et Lago en fait partie. J'ai jugé bon de demander à Lago de prendre les rênes de la coordination de Yopougon. La remobilisation des bases de la CEMA-GKS dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays. Il faut que le maillage se fasse. Faire comme ceux qui ont tout eu de Guillaume Soro et aujourd'hui qui se permettent d'insulter Guillaume Kibafori Soro. Mais cela, on ne les citera pas. Lago est sorti et il a continué le combat malgré sa situation. Oui, c'est un exemple. Et ce sont ces exemples-là que nous allons cultiver. Et nous lui disons que nous serons là, jour et nuit, afin de faire de Yopougon le bastion, la citadelle, qu'on ne peut pas prendre. Parce que quand Guillaume Soro va fouler les terres de Yopougon, je ne serai même pas là pour vous compter. Mais il y a un travail à faire. Allez-y dans tous les quartiers, autant vous êtes ici les délégués. Allez-y dans tous les quartiers de Yopougon. Nous avons plus de 1000 lieux de vote à Yopougon. Il faut investir tous les 1000 lieux de vote parce que Guillaume Soro sera président et il sera élu démocratiquement président de la République de Côte d'Ivoire. GPS, peuple uni, peuple fort. Guillaume Soro est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019. Or, selon la constitution ivoirienne, aucun citoyen ne devrait être contraint à l'exil. Tout cela met à mal l'unité nationale. Il est temps que Soro rentre chez lui.